Hey, comment ça va la famille? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux. Aujourd'hui, on s'est tous réunis pour cette vidéo. Et ouais, nous allons traiter d'un sujet très important. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une certaine Amanda l'aventurière? Tiens, je te pose la question, Sim Spooky, là. Bah non, moi, je connais pas du tout cette Amanda. C'est qui? D'où ça vient Ah ouais, mais en fait, je connais. Ça serait pas une genre d'imitation de Dora l'exploratrice, non? C'est ça? Ouais, c'est à peu près ça, en fait. Mais attends, pour bien vous expliquer, en fait, oui, comme tu viens de le dire, Raph, c'est en fait une genre d'imitation. Et à la différence de Dora l'exploratrice, c'est que là, ça serait plutôt une imitation horrifique, les gars. Et c'est ça qui fait toute la différence. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, là, Sim Spooky, quand même? Non, mais dit comme ça, là, déjà, c'est vachement malsain. Parce que de base, Dora l'exploratrice, c'est un contenu pour les enfants, c'est pour les petits, non? C'est carrément bizarre. Alors, au sujet d'Amanda l'exploratrice ou l'aventurière, je sais plus trop. Mais en tout cas, à son sujet, il y aurait apparemment des cassettes VHS à retrouver. J'aimerais bien les retrouver pour qu'on les regarde là ce soir à 3h du matin. De toute façon, là, je crois qu'il est déjà 3h du matin, oui, regardez, il est déjà bel et bien 3h du matin, les gars. Bon, alors dès maintenant, ce sera très simple. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré un contact qui me permettrait de rentrer en communication avec Amanda l'aventurière. Et à ce moment-là, je vais directement lui demander comment est-ce qu'on pourrait récupérer les fameuses cassettes VHS qui seraient perdues. Et ouais, bon, Sim Spooky, tiens, je te donne la caméra. Et là, je vais directement, du coup, commencer à envoyer les premiers messages à Amanda l'exploratrice. Et bah voilà, regardez, j'ai bel et bien le contact de Amanda. Et là, Raph, regarde, on peut directement cliquer sur message. Vas-y, envoie. Voilà, message. On va directement lui demander comment est-ce qu'on pourrait récupérer les cassettes. Ah ouais, c'est une bonne idée. Bon bah ça y est, j'ai déjà préparé le message, les gars. J'ai vraiment pas envie de me rater. Et là, pour le coup, regardez, je vais envoyer bonjour Amanda, comment pouvons-nous récupérer les cassettes? Ça passe ou pas? Bah ouais, ça passe, c'est grave bien en vrai. Vas-y, envoie. Ça va, ça passe bien? Ouais, go. Je peux envoyer là? Vas-y. Ok, j'envoie. Les gars, j'envoie directement. Et j'espère que ça va bien passer, hein. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Voilà, on sait vraiment pas trop à quoi s'attendre. Donc n'hésitez pas à rester avec nous du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Bon bah maintenant on a plus qu'à attendre la réponse de Amanda. Ouais voilà, là faut attendre, là faut juste attendre. J'espère qu'elle va répondre assez rapidement. A few moments later. Ah bah ça y est, regarde Raph, on vient de recevoir une réponse. Après quelques minutes d'attente, on a enfin une réponse. Comme d'hab, je vous affiche l'écran, vous allez pouvoir voir toute la discussion. Vous voulez vraiment que je vous aide à retrouver les cassettes VHS? Répondez oui ou par non. Bah oui. Bah oui. Ouais, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut, les gars. Attends, bah je vais répondre oui. Voilà. Mais la question, mais comment ça va se passer en fait? Bah je sais pas, j'attends la réponse, je suis comme toi. Attends, il y a une réponse? Êtes-vous sûr? Êtes-vous vraiment sûr? Bah oui. Oui hein, oui. Oula, ça me fait flipper. Eh Sim, viens, je te jure que c'est vraiment trop bizarre. Montre-moi ça. Eh Raph, tu peux tenir la caméra cette fois? Vas-y. Allez vas-y, tiens cette caméra. Attends mais regarde, elle nous a demandé si on était vraiment sûr. T'as répondu ouais, oui hein. Bah j'ai répondu que oui. Oh, ça y est, ça vient de répondre, à l'instant, vous devez effectuer 9 pas. Hein? Attends, comment ça? Bah 9 pas quoi, tu vois. C'est-à-dire que la cassette se trouve à 9 pas de là où on se trouve, c'est ça? Oui, mais de quelle direction? Je sais pas moi. Vous savez quoi les gars, c'est pas grave. Venez. On va se déplacer à travers toute la maison et à un moment donné, on va peut-être tomber sur les cassettes, mais ça me semble déjà vachement étrange les gars. Attendez. Ouais, hein. Y a quelqu'un? Regardez, je viens de recevoir encore un message. 8 pas restants. Mais attends, mais mon téléphone est clairement géolocalisé par Amanda en fait, c'est ça? C'est chelou. Je crois que oui en fait, c'est ça. Mais je trouve ça vachement flippant les gars, non? Ouais, c'est vraiment flippant, chelou là ton truc, j'ai du mal à comprendre. Regardez 7 pas. 7 pas restants. Regardez, 6 pas. 6 pas restants. Ok, faut. Bah je crois qu'il faut aller vers les escaliers. Ouais, hein. Vers l'escalier, elle a dit. Attends, plus on se rapproche des escaliers, et je crois que là, regardez, 5 pas. Ok, on va monter. Venez, on va monter les escaliers. Attendez, mais y a quelqu'un? Oh, attendez, venez, on va monter les escaliers. Il reste 4 pas les gars. 4 pas. Ok, faut continuer. On doit être tout prêt, hein, on doit être tout prêt, on doit être tout prêt. Attendez, venez, on continue. je sais pas dans quoi on s'aventure les gars, mais c'est bizarre, c'est quand même vachement bizarre. C'est vraiment bizarre, là. Attendez, 2 pas. 2 pas. 2 pas. Plus que 1 je pense. Ça veut dire que dans 2 pas, ça veut dire que ça doit être autour de nous là, non? Oui, voilà. Mais je sais, Raph, essaye de faire 2 pas dans n'importe quelle des directions. Mais où? Là, je sais pas moi. Peu importe, vas-y, essaye, vas-y, par là. Vas-y. Ouais.
Ah là, y'a rien, je suis devant des portes, qu'est-ce que tu veux, y'a rien ici. Attends, toi Sim Spooky, essaye de faire deux pas dans n'importe quelle des directions et on verra bien, je sais pas. Ok, ok, t'es prêt? Vas-y, vas-y, je suis prêt. Allez. Un, deux. Ouais, ok. Attends, mais c'est peut-être dans le meuble, je sais pas toi, attends, laisse-moi regarder. C'est dans le meuble, non? Y'a rien du tout là, peut-être que tu l'as vu. Attends, bah, peut-être la fenêtre, non? Ah, la fenêtre, attends, je sais pas. Bah, attends, faut peut-être ouvrir, non? Je sais pas, vas-y, vas-y. Oh, oh là, 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 regarde là. Y'a quelque chose? Là, oui, y'a un truc, y'a une cassette. Ah, y'a une cassette. Attends, je la récupère. Vas-y, vas-y, récupère. Attendez, les gars, je crois qu'on a la première cassette. Laisse-moi refermer la fenêtre. Mais on a la première cassette, les gars. Épisode 1, regardez, c'est écrit épisode 1. Et Raph, viens voir, Raph, viens voir. Regarde. Oh, attends. Mais attends, t'es chaud, on va la regarder. On va regarder ça quand même, hein. Et vous savez quoi? On va vite redescendre devant la télé, au canapé, et on va checker tout ça. Allez, let's go. Voilà, on est au salon, on est là devant la télé. Viens, viens, Racine Spooky, j'ai toujours la cassette. On va tenter de la lire. Et oui, il va falloir la lire pour voir quel est le contenu de cette cassette quand même. Ça m'intrigue de fou, moi. Vas-y, vas-y. Pas toi? Ouais, de ouf. C'est vachement, vachement intéressant. Viens, viens, viens. Regardez, regarde un peu ça, les gars. J'ai déjà tout préparé. Bah oui, je me suis dit que si on allait quand même retrouver ces cassettes VHS, il nous faudrait bien quand même le lecteur. Et regardez un peu cet appareil. C'est les anciens appareils qui nous permettent de pouvoir lire ces vieilles cassettes. Et ouais, ouais, ça, ça fait longtemps qu'on les utilise plus, ce genre de choses, hein. Vas-y, regarde un peu ça, les gars. Alors, Raph, essaye de l'allumer. Moi, je sais pas comment ça fonctionne, hein. Attends, c'est peut-être ce bouton-là, je sais pas. Attends. Vas-y, essaye. Essaye tous les boutons. Attends, mais ça marche pas. Là, comment là, ça, là, ça, le bouton marche. Oh, bon. Je vais directement tenter d'insérer la cassette et on verra ce qui va se passer, ok? Vas-y, j'essaye. Vas-y, vas-y. Comme ça? Ouais, normalement, c'est comme ça. Comme ça? Oh, oh, ça y est. Ok, regardez, regardez. Ah, je crois que ça va fonctionner. Bon. On va attendre quelques instants et je pense que ça devrait fonctionner. Allez, regarde un peu ça là. Ah, ça y est. Ah, ça y est, regardez. Ça fonctionne. Oh, les gars, les gars, les gars. Ouais, c'est un truc de ouf. Vas-y, viens, se pose. Viens, se pose sur le canapé et tout. Allez, allez. Wow. On s'installe sur le canapé, les gars. Et on va se mater ça du coup. Attends, laisse-moi un peu regarder ça. Déjà là, voilà. Épisode 1. C'est la première cassette là. Ouais, c'est, celle ça, qu'on... c'est celle qu'on vient de mettre, hein. Oui, c'est ça. C'est ça, les gars. Alors, Amanda The Aventure. Ouais. Donc là, on a Amanda. Et là, on a le mouton. Comment il s'appelle? Woolly. Ouais, il s'appelle Woolly. Attends, mais ils ont dit, est-ce que vous aimez les pommes? Moi j'aime bien. Ouais. Ah non, moi j'aime pas. C'est idiot. Moi j'aime bien quand même. Si, si, c'est bon les pommes. C'est bon les pommes. Ok, je crois qu'il a une grosse envie de pommes là, le mouton Woolly. Ok. Où est-ce qu'on peut trouver les pommes là? Bah attends, il y a une maison. Bah dans les arbres. Dans l'arbre, non? Ouais, dans l'arbre. Bah oui, on peut trouver des pommes dans l'arbre. Attends. Bah, mais non. Attends, attends. Balançoire. Dans la balançoire. Bah non, pas dans la balançoire. Non, 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 non. Dans la maison. Bah oui, peut-être. Peut-être dans la maison. Bah non. Non. Il reste plus que l'arbre. L'arbre. Et la petite Le magasin. Ouais, le magasin. Bah oui, le magasin de fruits. Bah oui, bah oui. Voilà, ok, le magasin de fruits. Non mais quoi? Ah, mais attends, qu'est-ce qu'il faut faire là du coup? Bah je crois que il nous demande de dire Apple, non? Si j'ai bien compris, non? Non, non, je suis pas sûr. Ah c'est... si, c'est peut-être ça en fait. Attends, faut peut-être dire, tu sais, non? Ouais, vas-y, bon. crie dans la télé, vas-y. Attends mais Apple. Apple. Ensemble, ensemble. Apple. Ah, ah voilà. Yes. Ok. Ah, se passe quoi? Bon, mais attends. Ah bah c'est... Bah il faut la deux. Attends. Ah bah oui, t'as raison. Faut la deuxième cassette. Ouais, faut la deuxième cassette. Non mais quoi, c'est déjà fini, ça veut dire? C'est bizarre ça. Bon, bah les gars, maintenant vous savez ce qu'il nous reste à faire. Faut retrouver la deuxième cassette. Moi je compte pas m'arrêter là en tout cas, hein. Bah ouais, tant qu'on y est, faudrait qu'on trouve la deuxième cassette, hein. Mais comment on va faire du coup les gars? Bah attends, on pourrait envoyer un message à Amanda, non? Bah ouais, t'as raison. Bah oui, oui. Tiens, prends la caméra, je vais directement renvoyer un message à Amanda et on va directement lui demander qu'elle nous donne la position de la deuxième cassette pour le deuxième épisode. Ouais, c'est une bonne idée, ouais, ça. Bonne idée, vas-y, okay, vas-y, let's go. Je vais directement la contacter, les gars. Allez, je vais directement demander la deuxième cassette. C'est bon comme ça? Ouais, c'est bon, c'est bon. Ok, j'envoie. Voilà. Pouvons-nous avoir la deuxième cassette? Ouais. Attends, j'envoie plein de points d'interrogation pour qu'elle réponde assez rapidement. Ouais, j'espère qu'on va la retrouver quand même, hein, assez facilement. Ouais, parce que là, ça m'intrigue, là, franchement. Une fois qu'on est dedans, on a même plus envie de s'arrêter, quoi, c'est ça. Ah, oh, là. Ça a répondu. Attends. Attends. Vous voulez vraiment que je vous aide à trouver les cassettes? Répondez oui ou par non. Ah oui, oui, hein. Oui, oui, vas-y, vas-y. Vous êtes vraiment sûr? Oui, on est sûr. Mais oui, 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 avec plein d'exclamations, non? Ouais. Plein de points d'exclamation, voilà. Comme ça. Ok. Allez, on attend la réponse. Oh là là. 5 pas. 5 pas? Ah bah ouais, c'est la distance par rapport à là où on est.
La distance de la cassette et de nous. Attends, 5 pas. Les gars. Attends, va pas. Donne la caméra. Je sais pas. En tout cas, 5 pas, c'est pas très très loin. À mon avis, ça doit être au niveau de la cuisine ou peut-être au niveau du garage. Venez, on va aller voir. Ah ouais, j'avoue. Venez, on se déplace. T'as compté combien là? Là, je crois que j'ai fait déjà 3 pas. Attends, on va faire 4 pas, 5 pas. On va voir si on s'est rapproché ou pas. Là, on est dans la cuisine. Attends, je regarde le téléphone. Ah, 4 pas. 4. 4 pas. Attends, mais ça veut dire que... Ça veut dire qu'il faut retourner en arrière. Ouais, j'avoue. Allez, on refait des pas en arrière. Ah, 3 pas. Là où je suis, c'est 3 pas, les gars. On va faire comme de tout à l'heure. Raph, essaye de faire 2 pas, mais dans n'importe quelle des directions. Peut-être la direction vers... La porte d'entrée. Ah ouais, la porte d'entrée. Vas-y, essaye de faire 2 gros pas. Un. Et allez, et le deuxième. Alors, tu vois quelque chose, alors? Dis-nous, là. Attends, Raph. Regarde peut-être au niveau des escaliers, là. Je sais pas. Y'a rien du tout là. Rien du tout, hein. Attends, y'a quoi? Ah, y'a le tapis. Peut-être en dessous du tapis. Ah ouais, bonne idée. Attends, je regarde en dessous du tapis pour voir. Putain, j'arrive pas. Allez, vas-y. Ah. Bah non, y'a rien du tout. Y'a rien du tout. Sim Spooky, toi t'as peut-être une idée, à mon avis. Ça doit être juste à côté de nous là, c'est tout. Peut-être qu'il faut ouvrir tout simplement la porte d'entrée, non? Ouvrir la porte là, en face, la porte d'entrée? Ouais, la porte en face de nous. Vas-y, Raph, essaye d'ouvrir la porte d'entrée. Vas-y. C'est bon? Allez. Vas-y, dépêche-toi. C'est bon. Ok. Oh! Eh, regardez les gars! Quoi? Non mais attends. Je crois bien que c'est une peluche en forme de mouton. Enfin, je me trompe, non? Regarde un peu ça, les gars. Mais oui! Mais c'est, je crois que c'est la peluche de Wooly. T'as raison, c'est ça. Il a raison, c'est Spooky là. Mais ouais, c'est clairement Wooly, le mouton quoi. Mais il fait... Regardez là. Attends, mais juste en dessous de la peluche, il y avait la cassette. Il y avait la cassette juste en dessous de la peluche. Mais ouais. C'est l'épisode 2, c'est la deuxième cassette. Oh yes, on va pouvoir se le regarder du coup. Bah voilà les gars. D'accord, mais on fait quoi du coup de cette peluche là les gars? Bah je sais pas, mais moi tout ce qui m'importe c'est qu'on puisse regarder le deuxième épisode, c'est trop cool, c'est trop bien. J'avoue là les gars, on va pouvoir enchaîner, on a la deuxième cassette. Et vous savez quoi, on va pas perdre plus de temps, vas-y. On va directement remplacer la première par la deuxième. Venez, on y va. Allez, vas-y. Attends, mais il veut pas? Je crois qu'il fait des siennes un peu. Ah, ça y est. Ah ouais, mais c'est du vieux, hein. C'est la vieille machine, les gars. Faut lui laisser le temps, quand même. Bon, Moi, je crois que ça commence. Venez, vite. Ça y est, on choisit l'épisode 2. La deuxième cassette. Ça y est, c'est parti. Oh. Ok, il se passe quoi? Mais c'est le mouton. Ouais. C'est le même. Ouais. Attendez. Ok, Amanda, elle est de retour. Mais qu'est-ce qu'ils font à côté des poubelles comme ça? Ouais, c'est bizarre. Il y a une sorte de... C'est un magasin de glace, non? Alors, il y a un magasin de glace et un magasin pour la viande. Non, faut pas choisir le magasin de glace, faut choisir le magasin de viande. Tu penses? Oui, je pense, hein. Peut-être la poubelle, non, aussi, hein? Non. Ah, tu vois, le magasin de glace, il a disparu. Ah ouais, il nous reste plus que le magasin de viande. C'est le magasin de viande, c'est ça? Ouais, ok. Oh! Ok, on est chez le boucher, les gars, d'accord? Ouais, le boucher, il a une drôle de tête quand même. Oula, il se passe quoi là? Non, je crois que le mouton, il voulait vraiment, vraiment pas aller à la boucherie. Hein. Ouais. Attends. Oula. Ouais, c'est bizarre, hein. Oh, mais attends, j'aime pas quand Amanda, elle a la bouche ouverte comme ça là. Wow! Oula, elle s'énerve, hein. Elle s'énerve parce que là, on trouve pas les bonnes réponses. Attendez, faut réfléchir. Meat, ouais, c'est comme ça. Comment on dit viande en anglais? Meat. Ouais, je crois que c'est meat. C'est meat. Ok, je crois que c'est bon. C'est bon. Mais je suis pas très très fort en anglais, les gars, c'est pour ça. Alors, attends. Voilà. Ok. Ah, il coupe les bouts de viande. Voilà. Ok. Allez, on lui laisse le temps de découper, mais il a vraiment une démarche flippante, hein. Ouais, Amanda, elle a pas l'air très contente, on dirait, non? Ouais, Amanda, elle m'a l'air pas très très confiante. Attends, mais ça a coupé. Attends, mais... Oh là là. Non, mais attendez. C'est une dinguerie. J'ai qu'une envie, c'est de continuer. Il nous faut la troisième cassette, là, les gars. Ouais, j'avoue. Non, mais attendez. Les gars, ça va jamais s'arrêter, je vous le jure. Il nous faut trop la troisième cassette, quoi. Moi, je veux savoir la suite. Ouais, moi, je veux savoir la suite aussi. Bah, les gars, comme d'hab, quoi. On a juste à renvoyer un message. Et puis après, elle nous enverra la localisation de la troisième cassette. Ah bah ouais. Mais il a raison. On fait quoi? On refait pareil, les gars. Hein. On voit direct on un va message. On va faire pareil et puis on verra bien. Hein. Non. Mais attendez. Mais qu'est-ce qui se passe? Délire. Attends, mais il y a une coupure de courant, les gars, non? On est dans le noir complet là. On est dans le noir total. On est dans le noir. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Attends, je vais allumer la lumière de la caméra, les gars. Attendez. Ok.
Ça y est, j'ai réussi à rallumer la lumière, les gars. Ok, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ce délire là? Attendez, les gars. Mais ouais, il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe, les gars? C'est quoi ce délire là? Regardez tout autour de vous, il y a des représentations de Amanda. Je rêve ou quoi là? Mais attendez, mais c'est quoi ce délire? Ouais, regarde tout autour. Là, il y en a là, sur la télé. Et encore là? Mais c'est quoi ce délire? Il y en a partout là! Attendez, je crois que l'entité de Amanda s'est emparée de toute la maison et de tout le salon. Regardez, mais... Il y a même les tableaux de travers. Mais regardez ça. Mais c'est terrifiant, non? Qu'est-ce qu'on peut faire là, les gars? Je pense qu'il faudrait qu'on se la joue vraiment discret là pour le coup, parce que là ça part loin. Attendez, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être arracher toutes les affiches de Amanda et s'en débarrasser, non? Ouais, je pense que non, c'est pas une bonne idée en fait. Mais pourquoi? Pourquoi que c'est pas une bonne idée? C'est trop terrifiant, c'est... À peine je tourne la tête et j'aperçois des plein d'affiches de Amanda. Non mais c'est pas possible. Non mais attends, elle est où la peluche roulée là? Je l'avais posée sur le canapé, elle est plus là, là. Qu'est-ce qu'on fait là? Ah ouais? Mais tu l'avais posée où? Là? Bah oui, là. Oh bah ouais, mais attends. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Faut se mettre à... Oh, attends. Oh, mon téléphone. Attends, il y a mon téléphone qui sonne. Quoi? Dora, l'exploratrice. Mais quoi, c'est délire? Donne-moi ça, vous voulez pas qu'on réponde, non? Attends, vas-y, réponds pour moi. Vas-y, vous êtes sûr? Ouais, vas-y. Allez. Allô? C'est déjà l'exploratrice? Attends, tiens, prends la caméra, Raphaël. Allô? Oui, c'est Dora. Mais Dora? Mais pourquoi est-ce que tu m'appelles? Je t'appelle car tu es sous l'emprise de Amanda. Quoi? Ouais, mais attends, c'est bien toi la véritable Dora? Oui, c'est moi. Non mais attendez, mais pourquoi est-ce que tu m'appelles? Je t'appelle pour te venir en aide. Ah ouais? Car ce soir, tu es sous l'emprise de Amanda. Oui, effectivement, oui. Le problème, c'est qu'il y a des affiches et des représentations de Amanda partout dans mon salon. C'est ça le problème. Justement, tu t'es fait prendre par Amanda. Elle t'a manipulé, tu as ramassé toutes les cassettes et maintenant tu es sous son emprise. Ah ouais? T'es en train de me dire qu'il y a l'entité de Amanda là dans mon salon? Oui, Amanda essaie de nuire mon image depuis très très longtemps. Ah ouais? Mais ouais, c'est comme une imitation de ta personnalité. Ça, je suppose que ça te dérange. Justement, j'en ai trop la haine. Elle me dégoûte. Ok. Mais alors bon, Dora, du coup, comment est-ce que tu peux faire pour m'aider? Parce que là, c'est vraiment vraiment très très problématique ce qui se passe. Alors, ce que je te conseille de faire, c'est de prendre tout ce qui concerne Amanda, de prendre une bassine et mettre du sel dedans, et de plonger tout ce qui concerne Amanda. Ah ouais? Donc ça veut dire quoi? Ah ouais, mais donc si je fais ça, je suis délivré, c'est ça? Voilà, c'est ça, tu seras délivré de l'entité maléfique de Amanda. Ok, d'accord. Eh ben, en tout cas, je te remercie, Dora. Hein. Je vais essayer d'appliquer tes conseils et j'espère que ça va fonctionner. Bon, bah, je te remercie et bonne soirée. Au revoir, bon courage à vous. Non mais attendez, c'est une histoire folle ce qui se passe. Nous avons Dora l'exploratrice qui nous a appelé pour nous venir en aide, pour nous aider. Faut qu'on applique les conseils. Raph, on va avoir besoin de ton aide. Oh oui. Donc vous avez bien compris, les gars. Ouais, faut qu'on déchire toutes les affiches, non, c'est ça? Non, c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut tout simplement récupérer toutes les affiches délicatement sans les arracher. J'ai bel et bien dit sans les arracher, les gars, parce que je crois bien que si on les arrache et on les déchire, ça peut très très mal se passer, hein. Ouais. Tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est réunir toutes les affiches, les cassettes et la peluche Woolly. Va falloir retrouver la peluche Woolly, je sais pas où est-ce qu'elle est, mais en tout cas, va falloir préparer tout ça. Eh bon, allez, viens, Raph. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre au boulot, les gars. Allez, au travail. Moi, je récupère toutes les affiches et toi, tu te récupères toutes les cassettes. Ok, vas-y, allez, go. C'est parti. Attends, il y en a une là. Ok, allez, on continue, viens, il y en a plein, il y en a de partout. Encore une ici. Ok. Là-bas, regarde. Là-bas. La sortie. Oh, purée, il y en a tellement. Le truc, c'est qu'il faut que j'y aille tout doucement. Faudrait vraiment, vraiment pas que je les arrache, quoi. Faut pas que ça se déchire, en fait. Viens, on continue. Là, il y en a une là. Attends, je vais la retirer. Oh, regardez, oui. Ça en fait un paquet, les gars. Ah, il y en a une sur la télé. Sur la télé. Allez. Hop, ça y est, c'est bon. C'est bon, j'ai les deux cassettes. Maintenant, faut les mettre dans l'eau. Ah bah, ça y est, on a toutes les cassettes, les gars, non? T'as toutes les images là? Ouais, j'ai toutes les images, on a toutes les cassettes. Et attends, je crois qu'il manque. Il manque Woolly, le mouton, la petite peluche. Le mouton Woolly, oui. Il
Il est où? Faut la chercher partout dans le salon. Derrière le canapé. Je l'ai trouvé. Elle est là en dessous de la table. Viens voir, va la chercher. Elle est là, regardez, elle est là, c'est bon. On l'a trouvé. Et on a tout. Là, on a tout. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va plonger tout ça dans une grande bassine d'eau salée. On y va? Allez, let's go. C'est parti. Bon bah ça y est, on se retrouve du coup à la cuisine et là on est clairement déterminé. L'objectif ça va être de se débarrasser de l'entité maléfique qui s'est emparée de toute la maison. Donc viens, regarde, tout est préparé. Donc là on a la peluche Wooly, on a les cassettes et les affiches de Amanda et du sel. Voilà, donc là... Et bon bah dès maintenant on a plus qu'à attendre Sim Spooky. Il va venir normalement avec une grosse bassine. Sim Spooky! Je suis là. Ah allez, voilà, c'est ce qu'il faut. Bon allez, je mets ça là hein. Viens, pousse ça là. Oh là, allez. Alors c'est quoi? Faut mettre du sel? Ouais, mets du sel. Allez. Vas-y, mets plein. Beaucoup. Je pense qu'il y en a assez là, non? Ouais. Ah ouais, là il y a largement assez. Ok, tiens, prends la caméra. Dès maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup directement déposer les affiches que représente Amanda dans l'eau salée. Allez, regarde un peu. On va déposer ça délicatement. Ok, voilà. Mélange bien, on sait jamais hein. Ok, ça marche quoi. Attends, on met les cassettes? Ouais. Vas-y. On met les cassettes? Ouais, vas-y, mets les deux cassettes. On met les cassettes comme ça. Et on met le mouton Wooly hein. Oh ouais, vas-y, mets. Et on sera tranquille maintenant hein. Et ça y est, voilà. Je pense que là on a tout mis hein. Attends, je rajoute un peu de sel peut-être. Oh ouais, vas-y, mets du sel. Ouais. Du sel comme ça. Je pense que c'est bon là, ça y est. Voilà. Bon, parfait. Je pense que là, on devrait attendre quelques minutes et à mon avis, on sera enfin libéré de cette entité maléfique. Oh, et regardez là-bas. Venez voir, je crois que... Mais regardez, toutes les lumières de la maison se sont rallumées. Toutes les lumières du salon se sont réactivées. Oh bah ça va. Yes, ça veut dire que ça a fonctionné du coup. Bah je crois qu'on est réellement délivré là. Venez, on va aller jusqu'au salon, on va aller voir, venez. Ah bon, il y a juste encore les tableaux qui sont complètement mis de travers. Franchement, on a eu chaud. Heureusement que Dora l'exploratrice nous a appelés. Ouais. Et grâce à elle quand même, on peut lui dire merci. Ouais. C'est grâce à elle qu'on a pu se délivrer de Amanda là. Ça c'est vrai les gars. Bon, en tout cas sur ce, n'hésitez pas à nous mettre un maximum de likes si vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas également à nous dire ce que vous en avez pensé à travers les commentaires. Et puis une chose très importante, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube pour plus de vidéos. Et puis s'il vous arrive de vous ennuyer par moment, n'hésitez pas à regarder toutes les vidéos qui sont déjà disponibles sur la chaîne YouTube. Allez, sur ce, on vous laisse, on vous fait plein de gros bisous. C'était moi-même, Sim Spooky et Raph Spooky. Allez, ciao.